recherche. Donc, je suis à mon bureau d'enregistrement, aussi mon bureau de travail, dans mes fonctions de mon entreprise personnelle, puis aussi dans mes convictions, puis aussi en tant qu'on dit, je suis missionnaire, je suis une femme missionnaire, OK? Je suis infirmière, puis je suis éducatrice. Je suis infirmière retraitée, mais j'ai encore, je continue en tant que missionnaire des tâches d'infirmière, surtout en enseignement, puis bien sûr en prévention. Puis donc, je voulais parler, ça fait pas de moi une vieille madame qui est prude, là, parce que je suis missionnaire. Non, non, je suis pas une vieille madame prude. J'ai 52 ans, puis je suis une demoiselle qui est très, on dit, actualisée autant que possible, on dit, poursuivre l'évolution de l'humanité pour pouvoir rendre service. OK? Parce qu'il faut étudier, c'est un choix personnel. Quand on dit que ce soit, peu importe le domaine, mon choix personnel, c'est d'étudier pour être actualisé, actuariat, du mieux que je peux dans ma capacité intellectuelle, dans ma capacité physique et dans ma capacité moralité des connaissances. Et donc, je peux partager. OK? Il y a 1 minute et 23. Sur le compteur de la vidéo. Donc, je travaille, mes enregistrements se font ici dans mon bureau. Donc, c'est un bureau qui est en location sur une rue commerciale des Chênes, OK? Où est-ce qu'il y a un centre commercial des Chênes? Il y a une école primaire juste en face. Puis, il y a quelques commerces, là. Si jamais tu arrives par la première avenue puis que tu as de la difficulté à lire, là, sur le coin, il y a un dépanneur sur la première avenue à la capitale de Québec. Sur le coin, il y a des dépanneurs, bon, sans que j'ai pas regardé le nom, mais qui appartient à des gens qui sont d'origine, je pense, soit Asie ou Thaïlandais ou Asiatique, ou en tout cas dans les pays de l'Asie, là. Je continue parce que là, je voulais parler d'influence. J'ai parlé sur d'autres vidéos d'influence, OK? Parce que c'est très, très important dans la société d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Quand je parle d'actualiser, d'actuariat, c'est d'aller aussi, c'est comme aller dans le jardin pour voir, mais qu'est-ce qui a poussé dans le jardin cette année? Tu sais, j'ai planté des beaux fruits, j'ai planté les légumes, j'ai planté des arbres fruitiers, j'ai planté des graminées, j'ai planté aussi des fleurs pour que ce soit joli selon le budget que j'avais. J'ai planté des légumes racines, j'ai planté donc des fruits, des légumes, puis des grains aussi, du blé, de l'avoine, de l'orge. Donc, ça, c'est le travail, admettons. Puis là, du soya, tu t'en vas dans le champ constater qu'est-ce qui a poussé. OK? Parce que donc, c'est actualiser l'état de la culture dans le ici et le maintenant, par rapport à qu'est-ce qui a été semé, puis par rapport aussi à l'environnement, de la température dans le cas d'un jardin de vegetable garden, OK? Donc, on dit à ce moment-là que le cultivateur arrive, ou bien le maire d'une patrie, OK? Ou la mairesse de comté va aller constater de garden, OK? Elle va aller voir qu'est-ce qui se passe dans son jardin. Pourtant, bon sang, c'est pas ça que j'ai planté. Veux-tu me dire quelle sorte de oiseau qui est venu jeter quelque chose s'il y a de la mauvaise herbe qui pousse dans mon jardin, puis j'ai plus le contrôle sur la mauvaise herbe, OK? Donc, il faut, dans le ici et le maintenant, aller sur place, constater le constat de ton jardin, OK? Puis là, faut que tu te poses des questions. Ben voyons, j'ai pas planté ça. Comment ça qu'il y a un gros chou vert qui pousse là? OK? Fait que c'est là qu'on dit dans l'actualiser, c'est d'aller voir, prendre un relevé de compte, OK? Que ce soit du compteur électrique d'Hydro-Québec qui cogne, normalement, c'est une fois par année, OK? Puis si t'es seul, tu réponds pas. C'est une fois par année, normalement. Ça, j'en reviendrai, là, OK, sur d'autres choses. Je vais juste encercler ici parce que j'ai quelque chose que je veux vraiment, vraiment, vraiment pas oublier du gros chou vert, là. Il y a quelque chose, là, que je vais en parler sur une autre vidéo. Donc, là, j'étais à 4 minutes 40.
Là, ce que je voulais dire, quand on fait le constat, OK, ça, je fais de l'enseignement, je parle pas de moi, là, OK? Je parle d'un volet, si tu veux, qu'une missionnaire, OK, qui a un titre, une missionnaire ou une mairesse, OK, qui a un titre qui dit, bon, ben, moi, j'œuvre, ou bien je suis missionnaire ou bien je travaille pour le gouvernement ou je travaille pour une société privée ou je travaille. Donc, j'œuvre dans un domaine qui fait que je dois aller faire un relevé social, OK? Pour que ce soit pour prendre des décisions ou pour prendre action ou pour s'asseoir, réfléchir, faire un constat puis dire. Je vais prendre le temps d'y penser, puis si on me demande mon opinion, j'émettrai mon opinion, mais je veux le faire, je suis capable de le faire, j'ai la capacité, j'ai l'éducation, j'ai puis ne serait-ce que d'aller dans le jardin puis dire j'ai rien trouvé d'anormal, tout est correct. La terre est bien humidifiée, la terre est riche. Tout est correct, OK? Donc, on dit aussi dans la société d'aujourd'hui, parce que parfois, il va arriver qu'il y a des gens qui vont arriver à un âge, puis il faut pas les mettre de côté, nos personnes âgées, parce que, bon, ça, c'est eux qui ont tout construit, OK? Et donc, ça fait partie du plan de soins de la personne âgée de dire, continuer à trouver des tâches valorisantes, où est-ce qu'ils vont être heureux ou heureuses, puis surtout en sécurité, without of dangerous, OK? Je reviens, bye.